Pour cette nouvelle vidéo que ça a consacré à Sensei Awakening, je me suis mis à ce jeu mobile vraiment à fond parce que j'ai adoré, j'adore l'univers de Senseiya, un univers que je vous conseille, c'est un des meilleurs mangas vraiment de tous les temps. Je peux que vous le conseiller vraiment, que ce soit le manga papier, l'anime, que ce soit Senseiya, les trois arcs principaux, Sanctuaire, Poséidon, Hadès, autant en anime qu'en manga papier. Et après même Omega, moi j'ai bien aimé, il y en a qui ont moyennement aimé, mais moi j'ai kiffé. Et après, ben, Lost Canvas et tout, c'est de la bombe. Dommage que Lost Canvas soit terminé un peu en queue de poisson, vu qu'il n'y a jamais eu de suite. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour Sensei Awakening, un jeu mobile que j'affectionne beaucoup. Vous savez que je suis un grand amateur de jeux mobiles, que ce soit avec Dokkan Battle, que vous pourrez retrouver la playlist en haut à droite. Mais là, Senseiya, ce jeu est complètement parfait dans le sens, il est très complet. Il y a tout ce qu'il faut, on peut jamais s'ennuyer. Il y a toujours un truc à farmer, quelque chose à faire. Pour un jeu mobile dans ce style, c'est juste excellent. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour des invocations et aussi une présentation de ma box. C'est-à-dire que ça fait pratiquement 3 semaines que j'y joue. Je suis déjà à level 35. Je trouve que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on va commencer par un petit tour de ma box. Alors, croissance, voilà. Voilà les chevaliers d'or que j'ai obtenus pour le moment en multi-invocation et même en single. Voilà, je trouve que j'avance petit à petit, mais que j'ai une box pas trop dégueu. En tout cas, vous me direz dans l'espace commentaire. Moi, je trouve vraiment qu'elle est propre. En tout cas, je suis content déjà de mes farms et des persos que j'ai pu obtenir. Faudra pas hésiter à me dire dans l'espace commentaire. Déjà, si vous aimez bien Sensei Awakening et que vous souhaitez que j'en fasse plus souvent, me le dire dans l'espace commentaire. Me dire qu'est-ce que vous avez dans vos box en chevalier d'or et tout. Qu'est-ce que vous aimez bien faire. Avant que j'oublie, si vous souhaitez m'ajouter un ami, vous ajoutez Geek Forever. Hop, ajoute un ami, vous cherchez mon pseudo, GeekForever31. Voilà, comme le nom de la chaîne, voilà. Je suis sur le serveur El Pegasus. Donc voilà, si vous êtes du même serveur, n'hésitez pas à m'ajouter. Ça me ferait super plaisir. Tout comme si vous souhaitez me mettre un petit like, voilà. N'hésitez pas, un petit like pour le soutien dans le jeu, voilà, ça mange pas de pain et ça me soutient pour le jeu et tout, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter un ami. Et donc nous, on va découvrir là, c'est Saga aujourd'hui. Et franchement, Saga est une très très bonne unité. Ça va être une unité qui va zoner, qui peut faire du mono-cible, qui est très complet, qui sera malheureusement un peu vite dépassée dans le temps, parce qu'il y aura d'autres unités qui vont suivre, qui seront plus fortes. Mais bon, hein, ça c'est un jeu gacha, c'est totalement normal. Mais nous quand même, on est intéressé par lui, donc on va pool aujourd'hui. Donc on se retrouve avec 69 cristaux et 2 en 3D, je sais pas quoi là. Ah oui, le truc où on pouvait le faire en vrai quoi, un peu comme Pokémon Go. Mais bon. Et donc, alors là on est le plus chanceux, chance boréale. Bon, la plupart des youtubeurs spécialisés vraiment disent que ça ne sert à rien. Donc on va commencer à pool sur lui. Faut le trouver, Saga. Je sais plus lequel c'est. Alors, ah oui, c'est Gemini. Alors, t'es où? Gémeaux, voilà. Et donc, on va commencer à pouler tranquillement. Ah, on a droit à un petit bug. Gémeaux ne veut pas s'afficher complètement. Ah ouais, là, vous avez des fois quelques petits bugs. Alors. Bon, ben on va quand même tenter. On va s'échauffer avec une petite single. On va voir ce que ça nous drop. Ah. Ah, le loup. Ça fait un doublon de Nashi. C'est pas dégueu. Ça fait toujours plaisir. Petit doublon de Nashi. Bon, alors, on va faire celui-ci. La R. Allez. Hop. Et ça nous l'amène où? Je sais pas. Ah oui, parce qu'il faut bouger le téléphone. Parce que là, je suis avec l'émulateur de téléphone. Bon, mais sélectionne-moi-le. Je peux pas. Hop. Là, je suis obligé de bouger comme de dingue. Prêtresse noire.
Ok, c'est du caca. C'est du caca. C'est pas une très mauvaise unité, mais on va dire que c'est pas là-dessus qu'on compte poule, quoi. Bon, revenons-nous à nos moutons. Hop. Non, pas la Vierge. Gemini, où es-tu? Alors, si vous la voyez... Parce que j'ai tendance à m'y perdre. Alors, lion, couronne, dragon... En tout cas, ils sont toutes, hein, donc facilement de s'y perdre. Tu veux pas me le donner? Allez, t'es où? Je suis aveugle? Voilà, Gémeaux. Allez. Nous, c'est toi qu'on veut aujourd'hui. Hop. On veut Saga. Qui est caché derrière ma cam, là, mais vous inquiétez pas. Hop. Ah. Oh, la baleine. Oh, c'est nul. Oh, les vœux, j'aime pas. Moses de la baleine, je ne t'aime pas. Même petit éclat. Allez, on continue. On va se faire les 7 là en single. Et après, on s'entraîne petite multi. Ah, ça part vers le fond. Oh. Là. Oh, je l'avais pas, bande du petit lion. Ça fait un nouveau perso. Je ne t'avais pas. Bah, ça fait toujours plaisir. Une nouvelle unité. Parce que j'ai pas beaucoup de poules sur Shaka. Parce que j'attends le vrai Shaka. Et encore... Ah, bah encore ban. Comme quoi. T'as envie de venir ban. Allez. Hop, 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 hop. Oh non, mais t'es sérieux? Argol de percé, je ne t'aime pas. Hop. Alors. Oh non, pitié, mais j'ai pas de chance. Ah non! J'ai rien dit, j'ai confondu. Luna de Sextant, ça fait un bon doublon. Très bon personnage, très bon soutien. J'ai rien dit. Bon, le quiz mondial, tu me les brises. Bon, là, j'aimerais un doublon juste moi de, du grand pote. Sur cette constellation. Mais nous, ce que nous voulons, c'est le Gémeau aujourd'hui. Donc on veut Saga. Ça fait un grand voyage. Oh là, pitié quoi. Pitié. Toi, t'es nul. Avant, je vais pouvoir te mettre à 100%, mais t'es nul. Donc, allez. Après celle-là, on part sur une multi. Marine, un doublon de Marine, ça c'est très cool, très très bon personnage, actuellement une des meilleures soigneuses du jeu, franchement, je dis pas non. Allez, la multi, croisons les doigts, max de pouces bleus, là il faut le soutien, donc bombardez-moi cette barre de pouces bleus déjà si vous êtes fan de Saint Seiya, si vous le souhaitez me soutenir aussi. Allez. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors. Eh bien, c'était une multi bien pourrie. Parce que là, il n'y a rien. Ouais, à part Ishii, mais que je joue pas, qui est pas obligatoire à jouer. Ah bah tiens, on va pouvoir se vanter. Bon allez, on se fait une deuxième multi.
Ah non, j'ai fait une single. Trotte. Bon, vas-y, on va continuer sur le single. Putain, là, pour le moment, pas la moindre once de chevalier d'or. Ben, Astérion, hein. Voilà. Tu veux pas aller directement sur lui là? Ça ferait plaisir. Ça se ferait plaisir. Franchement. Non. Non. Oh là là. C'est pas bien parti. Ça commence à faire peur là. Général, j'ai un peu plus de chance en single. Mais même là, les singles me chient dessus quoi. Tu dropperas pas. Tu dropperas pas. Et putain qu'on se retrouve avec encore un Hachi. C'est cool Hachi hein, mais c'est pas toi que je veux là. Bon. Allez, un vrai perso. Soyez gentil, un vrai perso. Allez, multi. Multi. Allez. Oh là là, mais quel multi qui pue. Oh mais fouette quoi. Oh là là. Bon, 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 bon. Allez, on continue, même si la constellation bug, que ça ne s'affiche pas correctement, on tente encore. J'y crois. Allez. Allez, un Pégase. Doublon supplémentaire de CA de Pégase. Ouais, excusez-moi. Putain, tous ces cristaux durement farmés. Et Django. Allez. Black 4 が 1人. Black Pegasus 3乗. C'est quoi? Ah, c'est Isaac, du Kraken. Pas une unité dégueu, mais c'est toujours pas toi qu'on veut. C'est toujours pas toi qu'on vise. Pégase noir, nul. Black 4 1. Black Pegasus 3. Allez. Bah ouais, j'ai 3 ou 4 bannes du petit lion, mais c'est plutôt toujours qu'on veut. Moi, je veux une vraie unité. Alors, le cancer s'affiche. Et l'image du gémeau s'affiche pas.
Alors ça... C'est bizarre. Black Saint ni kuwaete yarou ka. Allez. Plus que 26 cristaux. On accélère un petit peu. Ah, putain, toujours pas un perso qu'on veut. Oh là là, mais sans déconner. Je sais que le taux de drop il est pas élevé sur Saint Seiya, mais quand même. Et encore. Mais finis-moi un grand pop à ce rythme-là, quoi. Moi j'aurai un doublon. Bon, on va faire par la superstition et on va aller sur Scorpion. Allez, on va aller poule chez toi. Même si on dit que ça ne sert à rien, que on peut poule où on veut. Je sais pas. Scorpion, tu m'as souvent porté chance, donc... Bon, pas pour le moment. Mais Midi Dauphin, je me sers pas de toi. Ok, ouais. Allez, on va tenter la multi. On est joueur. On est là pour jouer. Allez. Eh ben, à part un Kiki et un Pégase, voilà. Hein. Ah, deux Kiki, bon. Mais c'est toujours pas ce qu'on veut. J'ai pas eu le moindre chevalier d'or. Je commence vraiment à m'inquiéter. Pas le moindre S. Allez. Encore. Putain, j'ai combien de Cassius, quoi. Mais toi, on veut pas non plus. Ça m'intéresse pas. Ah, une nouvelle unité qu'on m'a dit qui était très bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Mais bon, c'est toujours pas tout qu'on veut. Oh, Pégase, putain. Toujours pas toi que je veux, hein. Tu te mets dans la tête, hein. Allez, les trois dernières. On va retourner sur Gémeaux. Voilà, t'es là. Même si tu bug, c'est pas grave. Pour les trois dernières, on va retenter sur toi. Allez.
Allez, s'il te plaît, le jeu. File-moi un S. Bon, ben tant pis pour nous, hein. Voilà, hein. On aura tenté. On n'aura pas eu ben, de la chance, malheureusement. Et ça arrive. Il y a des moments comme ça, hein. Bon, en tout cas, moi, j'espère que vous aurez plus de luck que moi sur la nouvelle bannière de Saga et que vous l'aurez drop et tout. N'hésitez pas à me le dire ben, dans l'espace commentaire. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me dire si ben, Sensei Awakening, ça vous dit, ça vous botte, que je continue à faire des vidéos sur la chaîne sur ce jeu. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, si personne me le dit dans l'espace commentaire, ben, je verrai que tout le monde s'en fout, quoi. Comme si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. L'abonnement à la chaîne avec la petite cloche, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à partager la vidéo justement sur tous vos réseaux sociaux parce qu'on est bientôt 4000, j'espère qu'on les atteindra avant la fin de l'année. Et ça, ce sera que grâce à vous, donc vraiment je compte sur vous. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Utip si vous souhaitez me soutenir, mater 2-3 petites pubs, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, que ce soit sur Sensei Awakening et sur d'autres formats de vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous raterez rien. À très vite les amis. We'll be right back.